Salut! Après un long moment de manque de vidéos à cause des révisions d'examen, aujourd'hui on se retrouve cet été pour vous présenter 5 objets high-tech pour vos vacances. Commençons par le tout premier produit qui est un ventilateur USB qui m'a été offert par des amis pour le nouvel an. Alors je me suis pas trop servi au nouvel an parce qu'on était en hiver, il faisait un peu froid. Mais là on arrive en été et je m'en sers de plus en plus et c'est super bien parce qu'il fait pas que office de ventilateur, il fait office aussi d'horloge. C'est qu'ici en fait vous avez un petit circuit imprimé et quand ça tourne à fond, ça vous affiche l'heure, ça vous affiche toutes les aiguilles et les 4 chiffres principaux. Donc il y a le 12, le 3, le 6 et le 9 à chaque coin de l'horloge. Donc aux chaque extrémité si vous voulez. Donc franchement ça tourne super bien, on peut, si l'heure n'est pas programmée, on peut la programmer via le petit bouton ici, il n'y a rien de compliqué. On peut aussi le brancher où on veut parce que c'est un port USB, on peut le brancher sur un boîtier secteur pour recharger son smartphone, on peut le brancher aussi sur une tour PC, sur un PC portable, on peut aussi le brancher voilà, sur une batterie externe quand vous partez en voyage dans une tente. Franchement c'est super bien et ça fait un petit peu d'air et ça fait du bien pour l'été. Deuxième objet, si vous venez à partir en vacances cet été et que vous prenez pas mal de photos et de vidéos avec votre smartphone, vous risquez de manquer beaucoup de batterie. Donc voilà, pour ma part, je vous conseille de prendre une batterie Vensync, donc de la marque Vensync, pardon. Une batterie externe donc qui fait 20 000 mAh, donc moi pour ma part, elle recharge 7 fois mon iPhone 7, donc je peux tenir vraiment une semaine d'autonomie avec mon iPhone 7 sans me brancher directement aux prises fixes dans la maison. Donc c'est vraiment super. Après, voilà, certains d'entre vous vont trouver cette batterie, vous voyez par rapport à la taille de ma main, assez volumineuse ou grosse, plutôt volumineuse parce que grosse c'est un peu un caractère un petit peu méchant. Mais voilà, je vous mettrai d'autres liens dans la description de la vidéo de d'autres batteries qui seront plus petites mais des marques vraiment très très fiables que j'ai déjà testé et que je suis très satisfait, comme la marque RavPower, Wanker ou d'autres marques. Vraiment c'est des super marques et que j'apprécie. Donc je vous mettrai des batteries externes de 10 000 mAh, je vous mettrai aussi des batteries externes de 5000 voire 3500 mAh, je verrai. En tout cas vous serez bien gâtés dans la description de la vidéo si vous voulez vous acheter une petite batterie pour cet été. Voilà, donc si on revient sur ma batterie externe, donc moi elle propose deux ports USB, USB 3.0 il me semble, avec une recharge rapide, un port USB in-out, donc c'est l'USB type C, et un port USB in qui permet de recharger la batterie, et ainsi qu'un écran LCD qui nous montre combien de pourcentage il reste dans la batterie. Ça c'est super bien, c'est encore plus précis que des LED. Moi voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette batterie, parce qu'elle a le petit écran LCD et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, tout ça pour 30€ chez Amazon. Si vous voulez plus d'informations sur cette batterie, je vous invite à aller voir ma vidéo de cette batterie externe dans la description de la vidéo. J'ai tourné une vidéo la dernière dessus qui est assez bien détaillée. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Passons dès à présent au troisième produit, plutôt produit que objet. Je sais que dans le titre il y a marqué objet, mais ça c'est plutôt un produit parce qu'il y a beaucoup de technologie. Donc c'est une enceinte Bluetooth. Donc vous savez que en été, quand il fait chaud, on fait souvent la fête entre amis ou entre familles, voilà, tous ensemble. Et qu'on a besoin un petit peu de se faire plaisir, de s'amuser. Donc voilà, moi je vous propose là une enceinte Bluetooth de la marque de chez Bose, et c'est la Sonai Color 2 ou 2 comme vous voulez si vous voulez faire English ou French. Donc c'est une enceinte vraiment super bien niveau rapport qualité prix. Elle a un excellent son, une autonomie de 8 heures, vous avez vu c'est vraiment énorme, je l'ai testé. Voilà, franchement elle est super bien, on peut téléphoner avec si vous le souhaitez. Bon, je vois pas le rapport de téléphoner avec une enceinte, mais vous pouvez le faire parce qu'il y a un petit micro. Voilà, vraiment c'est une enceinte super bien. Elle est disponible en plusieurs coloris, il y a le bleu, il y a le noir, il y a le rouge et il y a le blanc je crois. Tout ça pour 140€, c'est un peu cher. Et après voilà, quand on voit la qualité du produit, elle résiste aux éclaboussures d'eau, tout ça, voilà, on voit vraiment que le prix quand même il y est, il est là, il est présent, il y a la qualité. Et ça fait l'affaire, franchement moi je suis très content. Je ne me sers pas souvent, mais mes soeurs s'en servent souvent. Et quand j'entends le son, ça envoie du pâté, je peux vous le dire. On passe dès à présent au quatrième objet. Donc imaginez que quand voilà, en été vous êtes tous sur vos téléphones. Par exemple j'imagine que vous êtes à l'hôtel le soir vers 5h, que vous jouez tous à votre téléphone et qu'il vous manque à tous de la batterie, et que vous voulez absolument tous recharger votre téléphone le plus rapidement possible pour aller manger au resto le soir. Donc moi voilà, j'ai la solution, je vous propose ce petit chargeur de la marque de chez RavPower avec 3 ports USB 3.0 et une recharge rapide. Donc vraiment la recharge c'est impressionnant, moi avec le chargeur normal de chez Apple, avec voilà, le kit Apple, je mets 2h30, et avec ce chargeur là je mets à peu près environ 1h15 à recharger mon téléphone. Donc vous avez vu que c'est extrêmement rapide et j'en suis super content. Ce chargeur, pour vous avouer, maintenant je ne me sers plus que de ce chargeur, et le chargeur officiel d'Apple il prend la poussière. Voilà, je vous le dis parce que vraiment, ça c'est vraiment exceptionnel et ça marche super bien, jamais eu de soucis avec, il n'y a pas eu rien à bugger. Même quand on branche 3 appareils dessus, ça recharge à fond, ça ralentit pas un appareil, ça ralentit pas l'autre. Donc tout se recharge simultanément, rapidement, c'est vraiment impressionnant. Tout ça pour 15€ chez Amazon, ça vaut le coup. Si vous le voulez, foncez dans la description de la vidéo.
Passons au dernier produit, donc ça c'est le plus cher. C'est tout simplement, donc je vous le montre, là vous savez pas trop ce que c'est parce que c'est normal, c'est dans une coque que j'ai acheté. Donc voilà, si je vous montre comme ceci, voilà, je pense que là vous avez reconnu, c'est les AirPods de chez Apple, c'est les écouteurs sans fil si vous préférez. Donc pourquoi je vous les présente en dernier produit, parce que déjà c'est les plus chers et que c'est pas adapté à toutes les personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà il faut en avoir le budget, 150€ pour ces AirPods ça fait quand même cher. Alors sur le site Apple je crois qu'il vaut 179, mais ça c'est 150€ chez Amazon, donc moi je mets le lien Amazon comme ça c'est moins cher. C'est pas donné. Et ensuite il faut en avoir l'utilité. C'est pas des AirPods qui sont faits juste pour écouter la musique comme je vois certains jeunes qui achètent ça. Non, les AirPods ça sert souvent, enfin moi je trouve, ça me sert à téléphoner et à être libre et pas avoir de câble. Ça c'est super bien parce que moi je travaille sur mon ordinateur à faire du montage vidéo ou à bidouiller des choses, à créer des choses sur mon ordinateur. Et quand j'ai un appel ou autre chose qui vient, pam, je mets mes écouteurs, je décroche et ça va plus vite et c'est direct. J'ai pas besoin de démêler les câbles, de brancher sur le téléphone, non. Hop, on ouvre, on parle de AirPods, pam, on les met, ils se connectent direct à notre smartphone. C'est super bien niveau rapport qualité-prix, c'est excellent, c'est normal, c'est du produit Apple, c'est du excellente qualité et j'ai vraiment rien à reprocher sur ces produits-là. Donc si vous avez le budget et que vous en avez l'utilité, foncez dessus, le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez. Donc mes amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo sur les 5 projets et produits, parce qu'il y a des produits aussi high-tech, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Voilà, si vous voulez tous ces produits qui sont là, qui sont posés là, donc l'enceinte, les écouteurs, le ventilateur, le rechargeur secteur, 3 ports USB rapides et ensuite, est-ce qu'il y avait l'enceinte Bluetooth. Si vous voulez tous ces produits, ils sont dans la description de la vidéo, bien sûr. Dans la partie batterie, vous aurez la batterie externe 26 ainsi que d'autres batteries un peu plus petites, parce que je sais que ça c'est quand même assez gros. Voilà, vraiment, il n'y a que des produits de qualité à part le ventilateur qui est un petit peu de basse qualité, je sais que ça va pas tenir pendant 30 ans, mais ça fait l'affaire pour 6€, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Voilà, si vous voulez tous ces produits, tout est dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite un très bon été à vous. Amusez-vous bien, allez à la plage avec tous les produits que je vous ai présentés. Vraiment, faites exploser les plages, amusez-vous à fond. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont en description de la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour un Turfu vidéo. Salut !